tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une série d'ATC sur le thème façon Lavinia. Vous en avez pas, revenez. Je sais, c'est pas dans mes habitudes, mais on va essayer de faire un petit truc sympathique. Hein. Je vous promets rien, mais enfin, on va essayer. Au pire, on aura passé un bon moment ensemble. Je vous avais montré, je vous remettrai le lien de la vidéo là-bas de unboxing, le lot de tampons que j'avais choisi et il y avait dedans un tampon façon Lavinia. Je vous avoue que ce n'est pas des plus faciles pour moi à travailler. Pour vous, vous allez dire « Ouais, mais attends, c'est super simple, Fruit, t'exagères quand même. » Oui, eh bien non. Non, non, c'est justement trop propre. Et même en étant propre, eh ben j'en ai plein les mains. Il va quand même falloir m'expliquer. Parce que là, il y a vraiment un problème. Moi, j'essaye de faire tout bien comme il faut, propre et tout, et je me retrouve avec des mains tout dégueulasses. Bref, on va y aller. Tiens, la boutique, article, code promo, tout ça, c'est dans le petit plus sous la vidéo. Série d'ATC. J'ai déjà fait mes découpes. Alors, je vais prendre de façon à ce que ce soit en maté. Donc, ma petite carte va, elle, faire 6 cm sur 8,5. Par contre, celle qui va avoir le matage. Allez, je vous la montre. C'est la seule que j'ai fait finie. Voilà ma petite ATC façon Lavinia. Vous dites rien? Vous la trouvez sympa? C'est gentil. Bon, voilà ce que ça nous donne. Bon, j'y étais soft. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un format ATC. Comme ça, c'est assez petit. J'ai pas trop à me casser la tête à savoir ce que je vais mettre autour. Et j'ai décidé de ne prendre qu'une seule couleur. Donc là, j'ai pris jaune. Ce sont les Distress Oxide. C'est celle-là, hein, trop plus facile pour vous de lire la couleur que moi de vous la donner, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc j'ai pris les couleurs jaunes, on va faire ensemble avec la verte. Donc je vous disais, là c'est uniquement la petite carte qui vient dessus, on fera un matage en noir. Donc elle fait 6 par 8,5, mais la carte autour, elle fait la taille d'une ATC, c'est-à-dire 6. 4 sur 8, 9. Ça, c'était mon exemple. Et en plus, je me suis fait un petit coup de zèle. Hein. Allez, vas-y, que je te mets un petit peu de glossy accent. J'ai pris des petites gouttes par-ci, par-là, histoire de... Voilà ma première. Les autres ne sont pas terminées. J'ai fait, mais j'ai pas terminé. Donc là, on en a une autre dans les tons bleus. C'est la Broken China. Donc voilà ce que ça nous donne. Et celle-ci que j'ai fait avec, c'est vraiment trop compliqué avec ça. C'est un ton un peu framboise, j'ai envie de vous dire. Je sais pas ce que c'est exactement comme couleur, mais enfin c'est joli. Donc ça, c'est celle que j'ai déjà préparée, que j'ai faite toute seule. Et on va donc faire ensemble celle de couleur verte. Je vous mettrai le lien de la chaîne chez qui je suis allée pêcher l'inspiration. Déjà, un, d'aller travailler du Lavinia. Et deux, de ne prendre qu'une seule couleur pour faire les cartes. Je me suis dit, ça me va bien. Ça me va même très très bien. Alors c'est parti. Ma petite carte, elle est où? Elle est là. On va avoir besoin d'un petit cercle. Suivant la grosseur de votre carte, évidemment. C'est pas la peine d'en prendre un énorme si vous avez une ATC. Et d'en prendre un ridicule si vous avez une grande carte. Donc, vous faites en fonction de la carte. Moi, j'ai pris le 1 pouce. Du scotch qui colle pas. Alors, j'ai fait à droite, à gauche, au milieu. On va refaire une là. Je sais pas ce que je vais utiliser comme tampon. Mais c'est pas grave. Une brosse. Alors, commencez pas à crier parce que... Oui, non, c'est pas comme ça, il faut faire. Nanani, nanana. Je fais comme je peux. Je ne suis absolument pas adepte de ce genre de patouillage. Hein. Moi, c'est plutôt les grosses flaques et les grosses gouttes que du petit patouillage gentillé. Donc, je pars bien sur ma feuille à côté et je vais finir sur ma petite tête. C'est pas trop mal. Forcément, j'y ai mis mes pattes sur le rose. Il va y avoir du rose dessus. Voilà, on va faire ça comme ça. Hein. Ensuite, avec, vous avez probablement des chutes de papier. Vous allez en déchirer de façon à venir faire ceci. Et avec, moi je vais prendre ça parce que je trouve que c'est plus précis qu'avec la mousse. On va venir faire tout simplement des montagnes. Donc sur le bord de la déchirure, on vient marquer en plus foncé. On décale, on retourne, on met de travers. On en a fait plusieurs, eh bien
On les utilise. Qu'est-ce que c'est qui tape? On vient reprendre de la couleur à chaque fois et on vient faire des ombres de façon à venir faire nos montagnes. Ça ira bien. La nana qui a pas envie de se prendre la tête. Je viens faire un peu plus foncé tout au bord, surtout cacher ce vilain trait blanc de la déchirure du papier. Et voilà, pour le vert, c'est terminé. Et bien, ferme-toi. On enlève notre soleil, notre lune plutôt. Et je viens, qu'est-ce que j'en ai fait? Prendre mes petits personnages. Alors, j'ai vraiment un tampon Lavinia. Ça, c'est vraiment un Lavinia. C'est pas une imitation quelconque. C'est vraiment du Lavinia. C'est celui avec la liane et toutes les petites branches qui tombent. On vous dire d'où je l'ai, je ne sais plus. Probablement acheté d'occasion à un moment ou à un autre, et ça devait faire partie d'un lot, sinon je ne l'aurais même pas choisi, je pense pas. Finalement, eh ben, il va me servir. Avec la dyeing pad de chez Stamperia, je viens en mettre dessus. Hop, on va mettre de l'autre côté. Alors là, j'ai choisi de prendre la petite fée qui est assise. On pourrait croire qu'elle est en train de soulever quelque chose, en train de lire ou je ne sais pas. Enfin, elle est assise et je vais prendre ce champignon et je vais l'asseoir dessus. Donc, comme ceci, le champipi, le champignon, quelque part par là. Allez, hop. Donc, il tamponne très bien. Voilà ce que ça nous donne autour de la petite fée. Et alors là, faut pas que je me rate, faut bien que je la sois sur le champignon et pas à côté. Elle aurait pu être un peu plus basse. Bah, ça va le faire. De toute façon, c'est trop tard. On va lui mettre quoi dans les mains? Qu'est-ce que c'est ça? On va lui mettre une autre petite fée, il y en avait toute petite. Il y a un escargot, Nat, il y a un escargot. Eh ben non, je vais y mettre un papillon. Non. Oui, c'est celui-là. Nickel! Oh, c'est trop joli! Voilà, voilà, voilà. On va venir y mettre un petit peu des branchages. Parce que ça fait un peu vide. Qu'est-ce que je vais mettre comme branchage? Genre, la fille, elle a 15 000 tampons. Et là, elle va vous dire, oh ben, j'ai rien pour mettre le côté. Bon, ben, je reste avec ma plume. Ouais, allez, hop, on y va. On n'a pas peur. Même pas peur. Ah bah ben, oui, ça fait joli, hein. C'est le deuxième effet Lavinia. Vous connaissiez l'effet qui se coule, hein? Et bien maintenant, il y a le deuxième effet Lavinia. Je vous préviens, ça peut être dangereux, hein? Ça peut être dangereux. Sur les fruits, il faut se méfier. Ça a un effet vraiment bizarre. Je vais vous faire du Lavinia partout maintenant. Non, je blague. Ça fait peut-être un peu beaucoup. On va y remettre un petit coup là. Hop. Voilà, c'est too much. Comme disent les Américains, oh so cute. Voilà, 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 voilà. Et il est où mon chapeau? On va laisser sécher avant de faire quoi que ce soit. Alors sur celui-là, j'ai voulu faire un peu de brillant. J'ai raté sur les ailes de ma petite fée là. J'ai voulu prendre ça, mais ça fait pas top. Donc je ne vais pas en remettre d'autres. Je vais les laisser comme ça. Je vais juste faire quelques petites gouttes. Je sais qu'il existe des feutres glitter, mais j'ai pas ça moi. Bah non, j'ai pas ça, donc c'est pas grave. Je vais faire quelques petites gouttes. Ouais, bon, ces trucs de fifi, hein, je vais appeler ça comme ça. C'est vraiment pas pour moi. Moi, il faut que ça soit de la patouille. Je veux bien de la minutie, mais pas des trucs comme ça. Faut que j'en mette sur les autres aussi. Bon, je m'énerve à mettre ça, et puis je vous reprends après. En attendant que ça sèche, je vais ranger mes tampons. Et voilà, hop, emprisonné, ça bouge plus. Donc c'était, hop, ce set de tampons qui nous fait donc
ces petites cartes. Les autres sont en train de sécher. Je prépare les matages et je vous montre tout ça. Je vous les présente une fois qu'elles sont sèches et collées et tout bien avec le truc derrière des ATC, enfin la numérotation et le petit nom que je vais lui avoir trouvé. Tout de suite. Bon ben voilà, j'ai encore voulu aller trop vite. Je pensais avoir filmé comme il faut tout bien jusqu'au bout, le matage, la présentation des ATC. Et ben non, j'ai pas filmé et maintenant elles sont enfermées. Oui, parce que ce sont de petites fées. J'ai pas voulu qu'elles s'envolent, qu'elles se perdent et tout dans la nuit. Revenons à nos petites ATC façon Lavinia avec les magnifiques tampons de chez Bibicraft. Je suis relativement contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pris plaisir à les faire, c'est déjà pas mal. Mais honnêtement, ouais, c'était sympa à faire. Je n'en ferai pas tous les jours. C'est pas un style que je ferai à longueur de temps. Mais voilà, j'ai pris plaisir à faire. Bon, certaines d'entre vous dont je vous dois des courriers, vous allez probablement recevoir ces petites cartes à l'intérieur. Parce que voilà, je les ai emprisonnées dans vos courriers. C'est prêt, c'est affranchi. Je n'ai plus qu'à prendre ma petite automobile et aller jusqu'à la poste pour déposer dedans. Mais ça part. Donc, semaine prochaine, vous avez vos courriers, les filles. Ouais ! N'importe quoi. Je me fatigue. Mais je me fatigue. Un truc de fou. Bon, je vous présente les ATC en photo, séparément, tout ensemble. Et puis, voilà, voilà. Allez, toutes les infos, c'est dans le petit plus sous la vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !